Le premier fils de Ken d'Argent au Hara, Goken débute étalon en 2017 à la Huderie, à deux pas du Hara de Colville, où il est né. Il est très intéressant comme cheval, il a un très bon pédigré, il correspond exactement à ce qu'il faut pour les éleveurs, pour le marché. Son père, il est extraordinaire, parce que son père, il est parti de rien, et quand on voit où il est aujourd'hui, c'est vraiment qu'on peut considérer que c'est un améliorateur. Et donc on fait l'association des autres. Donc j'en avais discuté avec Guillaume, j'avais dit écoute, si ce cheval-là, il rentre étalon, nous à la Huderie, on cherche un étalon qui peut être intéressant. Et je ne veux pas rentrer un étalon pour rentrer un étalon. Je veux un cheval qui nous intéresse, qui soit un cheval qui intéressera les éleveurs et qui apporte de la qualité aux éleveurs. Et Goken, il rentrait dans ces critères. Conçu pour la vitesse et la précocité, avec une mère par le mémorable Indian Rocket, Goken a répondu à toutes les attentes dès sa prime jeunesse. Entraîné par André-Alex Pantal, il aligne 3 succès au printemps de ses 2 ans, dont le prix du bois, le premier groupe 3 du programme français, en juin sur les 1000 mètres de Chantilly. Goken qui a toujours l'avantage, repartant maintenant devant James Memory qui tente de l'inquiéter avec en 3e position Lost in Paradise. À l'extérieur également Super Alley qui tente de refaire du terrain. Goken qui a l'avantage nettement maintenant devant le numéro 7 James Memory. Les Raïm qui termine bien également qui est en 3e position. Et c'est le numéro 4 Goken qui va enlever le prix du bois. À 2 ans, il avait 8 courses et 3 victoires, 4 places. Donc une seule fois, il n'était pas dans l'argent. Donc c'est vraiment un cheval qui est irréprochable sur sa carrière de 2 ans. Également placé du prix Morny et du critérium de Maison Lafitte à 2 ans, Goken sera non seulement précoce, mais aussi tenace. À 3 ans, il enlève ainsi le prix Texanica Groupe 3 à Maison Lafitte. Il se rapproche à l'intérieur devant le numéro 5, City Money, qui est en 4e position. Et le 13, Power of the Moon, maintenant qui tente de se rapprocher avec City Money, donc, ou encore le numéro 2, Souvenir de Londres. Goken, Finsbury Square pour la victoire. City Money, Souvenir de Londres. Et le numéro 8, Volatile, qui vient à l'intérieur. Goken repartant avec Volatile, avec Finsbury Square. Goken qui a encore l'avantage. Goken peut-être avant Finsbury Square. Son propriétaire éleveur, Guy Parian, décide d'envoyer son sprinter au royaume de la discipline, en Angleterre. Chez Kevin Ryan, Goken enlève une listode, puis se distingue à 4 ans pendant le fameux meeting de Royal Ascot. Goken décroche ainsi la 3e place des Kingston Stakes, groupe 1, grâce à un superbe finish. Si vous êtes capable d'être 3e de groupe 1 en Angleterre, vous gagnez un groupe tous les jours en France. Hein. Goken, c'est comme Ken d'Argent, comme il est très exempt de Sandlancer ou très très loin, on va pouvoir croiser avec tout ce qu'on veut. Et on voit Ken d'Argent avec qui il a marché avec une diversité de juments impressionnante. Et on a du sang de Xar, Zafonic, Zamindar, toutes ces lignées marchent très bien. On trouve aussi, si vous prenez Jimmy Two Times, c'est Anaba et Guest Honor. Vous avez encore pas mal de gagnants si vous regardez. Il y a une consanguinité avec Ken Mar qui marche pas mal. Il offre une opportunité à un grand, grand nombre d'éleveurs de reproduire quelque chose qui a marché sur plein de courants de sang. Donc ça, c'est un des gros avantages de Goken. C'est un cheval qui est très gentil, très facile, très maniable. Bon, il va se développer un peu en étalon, il va prendre un peu, mais ça, c'est vraiment la trempe des bons chevaux. Quoi. Les chevaux qui sont placides comme ça, qui sont gentils, et puis en course, ils donnent tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment super. Très typé sprinter dans son modèle, Goken débute au tarif de 5 000 euros au Hara de la Huderie en 2017.